Pour nous, la transition, c'est, c'est l'avenir. C'est comment on pense à une ville de demain, comment on pense à notre bien commun, qui est la ville, l'air, notre nature, l'air qu'on respire, c'est très important. Et on a ça en commun, donc la transition, c'est ça. C'est aussi la transition au niveau social, comment on n'exclut pas les gens par rapport à l'écologie, que l'écologie, c'est pas que pour les gens du centre-ville. Voilà, nous, moi, je suis issu du secteur 6 à Grenoble, des quartiers, et l'écologie, c'est aussi pour nous. C'est pas pour une élite, c'est pas pour une élite, c'est pas pour des gens qui ont de l'argent, c'est pour tout le monde, l'écologie. Parce que la planète, elle appartient à tout le monde. Voilà, voilà. Donc, c'est comment trouver des moyens pour guérir un petit peu la planète. Parce que là, ça va pas du tout, donc il faut qu'on trouve un moyen de... Tout de suite. De c'est s'en urgent. Sortir ensemble. Et c'est ça, je pense que nous, le plus important, c'est ensemble. Nous, à travers nos voyages, quand on apprend plein de choses et ça nous ouvre les yeux sur plein de trucs, l'eau, nous c'est vraiment sur ce point-là où on essaie de faire le plus d'efforts. Des douches rapides, pas gaspiller l'eau, pas laisser couler l'eau quand on se brosse les dents. Voilà, plein de choses comme ça, c'est très important pour nous l'eau, parce qu'on a vu des gens à travers le monde ne pas avoir d'eau et souffrir pour l'eau, donc pour nous c'est un élément très important. C'est le genre de choses qu'on fait. Et puis on jette jamais, ça on le faisait déjà avant, mais on jette jamais les choses par terre. Par exemple, nous on est beaucoup sur les réseaux du coup, et en fait, par exemple, en story, je vais faire de la cuisine avec les restes pour montrer que on peut éviter le gaspillage, c'est très facile, on peut cuisiner facilement et éviter de gaspiller, ça coûte rien. Oh, cuisine bien, cuisine bien. C'est important pour nous d'être ici pour deux raisons. Déjà parce qu'on est grenoblois. Avant tout, on est grenoblois, donc c'est notre ville. On aime notre ville et on est trop fiers de cette ville. Et puis c'est important parce que c'est notre avenir. Et justement, comme je disais, en fait, nous, on voudrait axer sur la prévention des jeunes pour pas qu'ils aient à changer leurs habitudes, mais pour qu'ils prennent tout de suite les bonnes habitudes. Donc voilà, nous, c'est vraiment, on axe sur les jeunes. Tout de suite, ils prennent les bonnes habitudes. Ils n'auront pas à dire comme nous, il faut changer ça, il faut changer ça, parce qu'on est dans l'urgence. Oui, nous, on est grenoblois, fiers de l'être. Et on est fiers aussi que c'est Grenoble qui met en avant ce genre de disposition et qui montre l'exemple. Ah. Même s'il y a d'autres villes dans le monde qui viennent se greffer et aussi apprendre et découvrir comment on peut faire des choses ensemble. Mais nous, on est trop fiers que ça vienne de Grenoble. Ouais. Oui, on est chauvin. Oui.